Les couleurs de l'automne qui commencent à arriver ici. Bonjour à tous les amis, c'est Franck Nicolas, fondateur de Globe et de la tournée 110. Vous savez qu'on va se retrouver le 2 novembre à Paris, Parc Expo, Porte de Versailles. Ce sera immense. Et puis on sera aussi à Montréal le 16 novembre au Palais des Congrès. Comment tout avoir? C'est exactement ce qu'on va vous offrir demain comme stratégie avec une nouvelle conférence web. Et à l'occasion de cette conférence, alors peut-être que vous verrez cette vidéo bien, bien plus longtemps. Ça reste longtemps sur YouTube. Mais comment tout avoir? Il y a un résumé qui me semble intéressant, c'est lorsque quelqu'un m'a dit il n'y a pas très longtemps, mais de quelle façon, Franck, on peut tout avoir? Parce que tu dis souvent qu'on peut tout avoir, alors que moi, on m'a éduqué notamment, tu vois, dans une société où tu n'avais vraiment pas l'option de tout avoir. Tu devais simplement choisir ce que tu voulais, mais tout avoir, non, c'était impossible. Et toi, tu me dis l'inverse. Et effectivement, je crois qu'on peut tout avoir dans la vie, mais pas tout de suite. On peut tout avoir dans la vie, mais pas tout de suite. On ne peut pas tout savoir, mais tout avoir. De quelle façon? La première des choses, je crois que ça va paraître extrêmement simpliste, mais pour vous, vous devez quand même vous en souvenir. Ce qu'il y a de plus précieux pour vous dans votre vie, hein, c'est un grand mot la vie, ce qu'il y a de plus précieux dans votre vie, c'est votre santé, votre énergie. J'ai fait pas mal de thérapie de couple, notamment au début de ma carrière, j'adorais faire ça en coaching de vie. Et quand il n'y avait plus de passion, souvent sous-jacent, et on avait une fondation de manque de libido. Mais quand vous regardez bien, manque de libido, manque de passion, manque d'intérêt, perte d'intérêt, c'était souvent l'énergie. Souvent l'énergie. Évidemment, il y a le système hormonal, mais souvent l'énergie. Donc la première des choses, et que ce soit dans votre travail, c'est la même chose, quand on commence à juger, à rejeter, à critiquer les autres, vraiment la lame de fond, c'est le manque d'énergie. Quelqu'un qui a plein d'énergie, qui a énormément de passion en lui, d'envie de croquer la vie à plein dedans, de créativité, souvent vous verrez, il y a de l'énergie. Et on dit souvent, bah, c'est parce que je commence à prendre de l'âge, j'ai 60, j'ai 70, j'ai 50, j'ai 40. Non, non, ça n'a rien à voir avec l'âge. C'est vraiment une question de stratégie. Donc la première des choses pour tout avoir, et on en parlera demain, j'espère que vous serez là, je vous mettrai le lien ci-dessous, si vous êtes là demain. Mais première des choses, c'est vraiment de faire un focus sur votre énergie. Ça peut être, moi je travaille entre 70 et 90 heures par semaine, plus proche des 90 souvent d'ailleurs, mais je fais toujours en sorte de prendre soin de ma santé physique et mentale, toujours, toujours, toujours. Et le corps, c'est une magnifique machine, mais vous devez mettre un petit peu de carburant, un peu d'huile, il faut que ça fonctionne, tu vois ce que je veux dire? Donc l'énergie. Et puis renseignez-vous comment rester en pleine forme. Mais aujourd'hui, par rapport à l'âge de 20 ans, j'ai peut-être un milliard de fois plus d'énergie. Je suis objectif. Donc j'ai beaucoup plus d'énergie aujourd'hui. Deuxième des choses, il vous faut des stratégies. En clair, il vous faut des recettes. J'aime beaucoup les recettes parce qu'elles permettent de gagner du temps. Au lieu de passer 10 ans, vous pouvez peut-être passer un mois, 20 ans, quelques semaines. C'est un peu la recette, je donne toujours cet exemple de la recette du gâteau au chocolat. Si tu veux faire un gâteau au chocolat, je ne sais pas, peut-être que c'est ton truc, tu as des amis ce soir à la maison, tu veux les épater, tu vas aller sur internet, tu vas chercher ta meilleure recette de ton chef préféré. Ou tu vas taper meilleure recette au chocolat, ou alors tu vas prendre un livre de cuisine, tu vas reprendre une recette. Tu ne vas pas réinventer quels sont les ingrédients, tu ne vas pas refaire le monde, tu prends une recette. Et la troisième des choses, donc les stratégies, comment augmenter vos revenus, comment avoir plus d'énergie justement, comment développer votre entreprise, comment pérenniser votre entreprise, comment racheter une entreprise, reprendre une entreprise, partir de zéro, comment passer de 5 centimes à 5 millions. Il y a des recettes, il y a des recettes pour faire des équations troisième degré en mathématiques, et il y a aussi des recettes pour taper à la machine, des recettes pour être un bon plombier, et il y a des recettes aussi pour développer ses revenus, sa carrière, ses affaires, sa santé, ses relations, ses émotions et son leadership. Des recettes, prends des recettes. C'est la deuxième astuce pour tout avoir. Et troisième astuce pour tout avoir, prenez soin de vos croyances limitantes. C'est pas tellement ce que vous ne savez pas qui vous porte préjudice, ce sont les mauvaises informations que vous avez dans la tête. Ce sont souvent les mauvaises informations que vous avez dans la tête.
je suis trop ou pas assez ceci ou cela. C'est possible ou ça ne l'est pas. La vie, c'est ainsi et pas autrement. Et ça, je sais que dans une vidéo comme ça, grand public, c'est un peu, c'est une grande promesse, une forte promesse. Mais je vous assure que votre pire ennemi, c'est vous. On pense souvent que quand on est entrepreneur, que le concurrent, c'est l'autre. Quand on est salarié, que le concurrent, ça va être celui qui va encore avoir la promotion ou le bonus. Mais c'est vous. Vous êtes votre principal concurrent. Et ça, c'est extrêmement tabou ce que je suis en train de dire parce que je l'ai compris. Je l'ai compris bien que trop tard dans ma vie. Cette troisième partie-là, j'aurais aimé qu'un gars sur Facebook ou YouTube ou peu importe le média social ou IGTV, mais vraiment que qu'un gars me dise un jour « Quelles sont tes croyances limitantes ?» et « Tu es ton pire ennemi ?» Je t'aurais dit ben « Non, pas du tout. Mon pire ennemi, c'est l'autre. » Et je vous assure que c'est vous votre pire ennemi parce que même les gens qui vous entourent ne sont que de passage. Peut-être que vous avez de la famille qui restera longtemps, évidemment, mais la plupart des gens qui vous entourent, regardez bien, ils ne seront pas là dans 5 ans, pas là dans 1 heure. Pas là dans 10 ans, mais vous serez toujours là et vous allez devoir cohabiter avec vous-même. Est-ce que dans 5 ans, vous aimeriez continuer de vivre avec vous-même? Est-ce que vous aimeriez encore cohabiter avec vous-même pendant longtemps? Intéressant. Peut-être un peu très profond comme question sur un média social comme ça, mais peut-être que ça vaut le coup d'y penser. Alors pensez à ces trois éléments. Pensez à garder cette vitalité, cette énergie, puisque rien n'est possible, que ce soit la passion dans le couple ou la faim dans le travail, rien n'est possible physiquement. Rien n'est possible intellectuellement si vous n'avez pas l'énergie. Numéro 1, pour tout avoir, l'énergie. Et ensuite, vous pourrez croquer la vie à plein dedans. La deuxième des choses, pensez aux recettes. Il vous faut une recette. Trouvez-les. Alors nous, on organise des événements et on édite des programmes audio, vidéo et livres best-sellers pour aider les leaders et les entrepreneurs à développer leur carrière et leurs affaires. On fait ça depuis 25 ans. On est un organisme de formation accrédité, notamment ici à Montréal, mais on organise des événements dans le monde entier. Renseignez-vous sur la tournée 110, sur le Weekend Spark. Ce beau mois d'automne, c'est le bon moment pour faire le point. Donc, que ce soit auprès de notre organisme de formation et de coaching ou ailleurs, ou par vous-même à la bibliothèque, c'est gratuit. Hein. Allez à la bibliothèque, ça demande zéro. Vous louez un livre. Si vous avez le privilège d'avoir une bibliothèque dans votre quartier, dans votre ville, parce que dans certains pays, il n'y a pas de bibliothèque municipale, allez-y. Et puis, étudiez 2, 3, 5, 10 ans. Faites, forgez-vous votre catalogue de livres, 200, 300 livres, et forgez-vous vos propres méthodes. Hein. Mais c'est gratuit à la base. Alors, si vous venez évidemment chez nous, c'est sûr que ça sera beaucoup plus rapide que la bibliothèque parce qu'on va résumer 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et moi, je résume 25 ans mon expérience à la tournée 110 ou dans nos programmes. Et on vous permet d'aller plus vite. Mais peu importe la façon dont vous allez y parvenir, mais faites en sorte de trouver votre recette. Et ensuite, travaillez sur vos croyances limitantes. Ça, on en parle beaucoup dans le Weekend Spark, mais dans l'OS. Mais c'est un frein aussi énorme. Et puis surtout, c'est un bon début de savoir que le problème, c'est vous. Et si le problème, c'est vous, c'est aussi vous la solution. Pensez à ces trois points pour tout avoir dans votre carrière et dans vos affaires.